Silence ma tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des passages secrets sur Minecraft. Donc, je vais essayer d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. Donc, merci à vous si vous m'uploadez. Allez, c'est parti pour le top 5. Alors, on va tout simplement débuter ce top 5 pour le passage secret qui s'est fait dans une maison. Donc, le levier qui va faire guise de robinet. Donc, on va tout simplement activer le levier qui va désactionner le piston qui va nous ouvrir tout simplement le bloc qui va nous donner accès à notre salle des coffres. Une fois qu'on a tout fait dans notre salle des coffres, on a juste à refermer le levier et partir. Je passe quand même ce passage secret là dans le top 5 parce qu'il est facile à faire, mais il y en a des bien meilleurs. Allez, c'est parti pour la quatrième place. Alors, à la quatrième place, on se retrouve avec un passage secret beaucoup moins connu de la communauté Minecraft. C'est tout simplement le passage secret d'un bouton derrière un coffre. Alors, l'entité du coffre est beaucoup plus petite que celle d'un bloc classique. Ça fait qu'on va pouvoir ajouter un bouton et faire un système redstone pour nous ouvrir une porte. Allez, c'est parti pour le top 3! Alors, on rentre dans le top 3. Alors, pour celui-là, il se fait tout simplement un peu partout dans une map. Alors, on peut le faire dans une grotte ou dans une montagne. En fait, il va tout simplement falloir tirer une flèche à un certain endroit du bloc. Et ensuite, on va juste ouvrir une porte. Et ensuite, on va juste devoir aller récupérer notre flèche. Et ensuite, le passage secret va être refermé. Alors, à la deuxième place de ce classement, on se retrouve avec un passage secret quand même assez bien connu de la communauté. C'est tout simplement le passage secret qui se trouve avec le wagon. Donc, le wagon qu'on va tout simplement le pencher un petit peu. Et on va, avec ça, on va traverser un mur. Donc, c'est pour ça que je le place à la deuxième position. Alors, à la première place de ce classement, on se retrouve avec l'un de mes passages préférés sur Minecraft. Donc c'est tout simplement une trappe et un tapis. Donc en fait, il va avoir le plancher de tapis et on aura juste à casser un tapis et descendre sous la maison. Et c'est pour ça que je le place à la première position, c'est par sa simplicité et le peu de ressources que ça coûte. Voilà tout le monde, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu si tout simplement elle vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et encore merci aux chaînes communautaires si vous m'uploadez. Allez, bye tout le monde, c'était Matek. We'll be right back.